Ah, il fallait d'abord aller à Diamond City? D'accord, ok. C'est peut-être pour ça que j'ai pas de quête encore pour l'instant. De toute façon, on la reverra, elle. On la reverra. On la reverra. Salut. Alors, c'est vous le nouveau. J'ai entendu dire qu'on avait accepté quelqu'un dans l'abri. Combien de temps vous comptez rester dans le coin? Je sais pas. On verra. C'est ça, on verra. On se débrouille très bien en 81. On n'a pas besoin de laisser entrer le premier pecno qui passe dans le coin. Arrête de me chercher, Alexis. Ça, ils sont pas très très accueillants, les gens d'ici. Donc j'ai réussi à trouver comment rentrer déjà, ça peut être bien. Le travail ne s'arrête jamais dans l'abri 81. Je pense qu'on va se casser, concrètement, il n'y a rien à faire ici pour l'instant. Au moins, est-ce que comme les gens le disent, peut-être que j'ai pas en fait assez avancé dans le jeu pour prendre des missions ou pour interagir avec des personnages. On reviendra. On reviendra. En tout cas, il m'a vraiment vraiment manqué de respect, ce fils de chien là. C'est pas grave. Attends, un jour on le retrouvera seul dans la rue. Un petit couteau dans la carotide. Attention à vous. C'est bon. Si vous avez besoin d'un médecin, allez voir Forsyth et Rachel. Du coup, quoi qu'il en soit, l'endroit il est ouvert, donc je suis obligé de. J'étais entre guillemets obligé de venir ici. On a assez perdu de temps, on va dire ici, honnêtement. Alors, allez, on sort. On va jouer un peu de nuit, hein, vu qu'on le fait très rarement. On regarde un peu la minimap. Donc, on s'est aventuré un petit peu dans l'abri 81. Il faut qu'on aille à Diamond City. Ok, on va regarder un petit peu les quêtes aussi que j'ai, parce que j'ai pas mal de quêtes. Nettoyer le Faneuil Hall. Donc, Faneuil Hall, c'est juste là en fait, non? Ok, donc ça c'est les quêtes de... Je me rappelle plus les mecs là, les condés on va dire. On les appelait comme ça. La confrérie... Preston m'a demandé d'aller dans une colline... dans une colonie, pardon. County Grossing, pour donner un coup de main aux gens. Ouais. Donc ça c'est un truc de Preston. Problème de pillard. Alors qui m'a donné ce truc Station? Preston m'a demandé de me rendre dans une colonie... Ok. Optionnel, fouiller la caravane détruite pour trouver des indices. L'erreur est humaine. Dans l'intégrité. Oh, je sais pas. La caravane disparue, c'est trop. Ah, Covenant. D'accord, ok. Ça, c'est la mission du mec quand j'étais allé à la ville. Le joyau de Commonwealth. À la Diamond City. Et divers fabriqués. La chaise de Mama Murphy. Et aller voir le Paladin Dance. Ok. Bon, on va faire dans l'ordre. Honnêtement, je vais essayer d'avancer un petit peu. On va décocher ça. On va faire ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Trezico, ça va ou quoi? Salut Wolfie, ça va pas bien? Ouais, je pense qu'on va faire ça d'abord. On va essayer d'aider Preston le plus rapidement possible. Même si je pense que genre ça fait déjà 10 heures que le mec... Où est cette ville? Je passe un peu le son. Le mec il me demande de l'aider mais j'ai pas de points sur la map. À moins que je me suis trompé ou... Parler aux habitants de County Crossing. Et lui, il te donne des missions, mais... Mais c'est un truc optionnel, ça, non? Je comprends pas. Parce que County Crossing, je le vois par la marquée. Hein. Au moins, est-ce que mes yeux me font défaut? Me fassent défaut?
Ah, Country Crossing, ok. Non, je suis jamais allé là-bas. Alors, est-ce que j'ai un TP? Tiens, alors, on va aller à Covenant et on va partir directement. Ah. Ouais, Dance, il est au commissariat. Ouais, je sais que Dance est au commissariat. Attendez, je m'étire un petit peu, je suis désolé, deux secondes. Ouais, c'est bon, merci l'équipe. J'étais pas allé assez loin dans la map. Et j'aurais dû dézoomer en fait. Quel con. C'est pas grave. Essentiel, c'est qu'on ait trouvé. Je vais essayer d'aider notre ami le plus rapidement possible. Donc, de toute façon, j'ai mis un truc sur la minimap. Données, il y a que ça qui est coché. Ouais. Allez. Ah, non, il est encore là. C'est un truc de fou. La route est vraiment trop longue. Et tout ça pour... Lucas Miller, il est encore là? Les affaires vont bon train. Ah, elles vont bon train, ouais. Marco. Lucas Miller. Faudrait que j'arrive à faire un petit peu des customs aussi sur les armes et tout. Je le fais très rarement. Faudrait que je m'y intéresse au plus haut point. Salut Bueno, ça va ou quoi? Désolé, alors franchement, je vais pas vous mentir encore une fois, je vous le dis. Je vous répète pour ceux qui n'auraient pas vu quoi. Honnêtement, Fallout, c'est un jeu qui me demande vraiment beaucoup de... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, monsieur Manqué. C'est un jeu qui me demande énormément de temps et je suis vraiment focus sur le jeu. Donc m'en voulez pas si je ne vous salue pas ou quoi l'équipe. Le cœur y est mais honnêtement je suis vraiment dedans. Ouais d'accord. C'est que ça t'envoie des bordels radioactifs quoi. Ça leur fait rien. Eh hey mec, elle est où ma caisse? Ah mais c'est vraiment trop bizarre. Je suis dessus là. Eh faut pas les sous-estimer ces petites bêtes de merde parce que je me dis ouais c'est du n'importe quoi et tout. Genre je vais leur mettre un coup, ça va mourir mais non trop pas. T'es la merde. T'as vu le laser où il a tiré? La blague! Ça sert à rien les armes laser sur ce bordel. C'est quoi une terrasse? Ah mais c'est un truc de fou, il meurt pas! Faut se coller à l'ennemi ou quoi pour que ça... What the fuck? Alors excusez-moi, j'ai pas compris, genre les pires ennemis du jeu quoi, les chics. C'est... Ok. Ok, merci gros. Non, 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 non! Excusez-moi. Pourquoi j'ai crié? Pourquoi genre je me suis emboucané d'un coup? Parce que les radios, ça me... Putain, encore une fois, les droits d'auteur, quoi. Et genre là voilà, juste pour ça, j'espère que je vais pas, ça va niquer ma vidéo quoi. Je vais les arrêter les radios.
Ça y est. Oh, j'ai tout pris, quel con. Hey. F5. Ça me casse les couilles, hein, je suis désolé, mais je les enlève. Hein. Ça donne quand même un sale univers au jeu, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais voilà. Il n'est pas. Sérieux, mais des... Ah non, je crois que c'était réacteur à fusion comme ça posé. Okay, vous les avez vu les mines là partout là? J'espère que je vais pas me faire exploser les fesses. Nice! J'ai débloqué un truc. Ok, donc je vais pouvoir tout dessouder. Ah, c'est pas grave, allez, vas-y, je saute. Oh là là. Je voulais pas faire le verrou en fait, mais c'est bon. C'est bon. Alors à chaque fois je vous remarquez ça, fusil de combat je prends jamais. C'est quoi cette arme? Ok, ouais, pas mal en plus. Par contre c'est quoi? C'est calibre 12. Calibre 12. Ah bah j'ai du calibre 12 en plus ici. Ah bah c'est parfait. Ah mais c'est les mêmes. Pas exactement les mêmes, j'ai l'impression, c'est bizarre. La carabine de combat et fusil de combat. Pourtant le skin est exactement, il est presque identique. Ma foi. Bizarre. Alors deux petites secondes, hein, je profite que je sois là pour recycler un petit peu, comme ça je reviendrai plus. Quoi, du moins pas tout de suite. Ça c'est très important, hein. Honnêtement l'équipe, si vous voulez faire pas mal de constructions sur le jeu, c'est vraiment très très important. Enfin, je vous apprends rien, hein. Des chaises. Et je sais pas si tu joues sur le stream, Nerzier. Je pense que je vais tout faire en bois, frérot. Je m'en bats les couilles.
J'ai pas assez de ressources, frérot, pour... salut, Dracula. Dracula. Ah, je peux mettre mon bric-à-brac par terre et tout recycler. Putain, ça c'est bien, ça. Merci, gros. Je savais pas. Eh ben, je le ferai tout à l'heure. Ouais, quoi, je le ferai en offline, parce que ça va prendre trop de temps pour rien. J'ai pas envie non plus de... vous casser la tête avec ça. Là, je le fais, là, parce que je suis là, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, après... putain. Ok, alors, la zone... putain, j'ai failli daze le chien. Je peux pas, tu sais, t'imagines. Ok, ça va jusque là. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de... putain, j'espère que j'ai pas enlevé beaucoup de vie. Je l'avais pas vu. Putain. Le mec, il a ruiné la zone, quoi. Ils me font chier, ces mines, hein. Sur ma vie, ils me font me casser la tête, gros, les mines. Tu les vois même pas, gros. Bon, en même temps, t'as vu comme je suis allé vite, quoi, comme je vais vite. C'est sûr que là... c'est quoi, ce truc, putain. Poser sur le live, c'est cool, frérot. Je pense avoir fait tout le tour. Ok, ah, oh, ça va, j'ai pas perdu beaucoup de vie. Ok, c'est cool. Bon, allez, on est parti. Donc, testons cette... testons cette efficacité, je veux dire. Testons cette arme. Il y en a encore là. Ah, mais c'est, ah, mais c'est un truc à... ah, d'accord. Eh, ça a l'air stylé. Ah non, c'est trop, il est trop loin, il est trop loin. Quoi que même pas. Elle a l'air bien, cette arme. Ça a l'air d'être comme une sorte de shotgun, mais... elle a l'air pas mal. Non, c'est la vue des chics ou quoi ici. Bon, putain, ça, ça m'a cassé la tête depuis tout à l'heure. Ça peut être bien, ça. Ah, c'est niveau 17, Scientific Nerzy. Je sais pas ce qu'il a, frérot. Pouvoir pour le rang 2. Niveau expert. Ninja. Votre père était vitrier et les rayons rebondissant sur vous. Votre résistance à l'énergie augmente de 10. N'importe quoi. Ah, d'accord, merci, Tonio. Putain, Tonio, bah, pas mal d'infos. Alors, sanguinaire, vous bénéficiez d'un bonus de dégâts de 5. Vos ennemis explosent parfois en un feu d'artifice d'os et d'organes internes. Ça peut être cool, ça. Ok. Marchand de sable, des bâtards. C'est quoi que je voulais augmenter? Point de fer, on s'en fout pour l'instant. Force de frappe. Je voulais augmenter un truc, mais je me rappelle plus exactement ce que c'est. D'accord, c'était pas à moi que vous parliez. Je vais essayer d'augmenter ça parce que ça, ça me rend ouf. Honnêtement, c'est un truc qui me rend dingue à chaque fois. Alors, comment on fait pour faire les... un truc critique en fait.
touche critique, je crois que c'est une touche en particulier, je crois que c'est espace. Ah, espace, exécuter critique, ok. C'est dans cette ville exactement, tu m'as dit, frérot? Je sais pas s'il est là ou il joue en même temps en fait. La coudrelle. Qu'est-ce que c'est de la coudrelle? Valeur 5. Ça ressemble à rien ce truc. Ok. Ouais mais ça sert à rien en fait, les coups critiques ils reviennent assez rapidement ou pas? C'est ça le bordel, si ça vient pas assez rapidement, je vois pas l'intérêt en fait. Salut Julien, ça va ou quoi? Salut, salut à toutes les personnes qui arrivent sur le stream. Je vois pas. Je vois pas, nom de Dieu. Oh! On va la prendre peut-être pour faire une déco, non? Elle doit être en bas. Bon, écoute, si tu traces ton chemin, tant mieux. Je peux rien leur faire au truc là. Shit. Wouah, je vais me faire sauter, putain. Il m'a mis mal, hein, l'enculé. Quoi, la voiture m'a mis mal. Oh putain. Nekomok. Voilà. Ouais, j'ai vu mes PV, j'ai vu. Hop, Abdel, ça va quoi mon frère? Désolé, j'étais parti sortir les poubelles. C'est une mission impossible, porté. T'inquiète. Pour moi, c'est pareil, frérot. Tiens, j'avais même pas vu ça tout à l'heure. Entre les débris. Ah. J'étais bien là. Ok. Tu me sens mais tu m'as pas vu enculé. Ok, où est ton dog? Marc Tourelle mais je la vois pas putain. Ah.
Ok, c'est bon. Oh, c'est cheaté ça, putain, tu changes d'arme, ça recharge automatiquement. Ok. Yop, Fury, ça vaut quoi? On y va doucement. Mine à fragmentation. Ouah! Merci, frérot. Hein. Alors, est-ce qu'on peut les déclencher ou. Oh, attention. Mais ça m'a enlevé des PV quand même! Eh, mais c'est ultra fat ce truc! Ah non, ça m'a pas enlevé de PV. Ah non, ça m'a pas enlevé de PV. D'accord, j'étais bien mort en fait. Quoi, j'étais. Il manquait pas mal de vie. Ok, ok. Autant pour moi. Autant pour moi, j'avais pas vu. Oh, je mangeais un petit filet mignon. What? J'allais dire, si je suis au milieu, frérot, comment tu veux que vienne de Molos mutant? Je pense qu'on va la prendre juste pour se faire manger. Ah, tu peux les désarmer? D'accord, ok, merci. Je voulais savoir si c'était possible de désarmer. Alors, comment en fait? Il faut que j'ai. Ah, mais il est plus! Même tu te vois maintenant à chaque fois appuyer. Ah, signal de détresse. Ah mais du coup j'ai baissé le son, putain. What? Bizarre, hein? Machete. Puissance de signal de détresse 0,63%. D'accord. On va rester sur cette radio. On va rester sur cette radio. Vingt-six %, ok, on s'en éloigne. Oh putain. Des goûts de mutants de merde quoi. Ok, j'ai mal agi.
J'aurais dû lui envoyer ça direct dans la gueule, la suisse de chien là. Ah, je suis pas encore allé chercher les trucs. Ah, j'ai pas sauvegardé, t'es sérieux? Ok, bon, au moins je sais qu'il y a du monde là-bas. Son amon. C'est chaud, hein? Bon, moi j'ai sauvegardé. On va essayer de se poser. Alors, est-ce que j'ai rallumé la radio du coup là? Ou il faut que je la rallume? Alors, la radio était. J'étais proche là, j'étais à 89%, donc je pense que c'est là-bas. Hein. Quête, merde, qu'est-ce que je fais? Inventaire, son, bric-à-brac, munitions. C'est où déjà que tu vois le. Ah, c'est radio, quel con, c'était là. Activer le son de détresse. Ok, il y en a juste là. Quoi? Ça joue que dalle. Je t'avais pas en pleine tête, toi? One shot, one kill. Okay. Mec. C'est stressant, hein? On le remettra plus tard. Ça grave stressant. C'est les grenades à fragmentation qui sont équipées, ok. Vous voyez là-bas là? C'est un camp de mutants en fait, c'est. Normalement, quand tu tires dans la nuque comme ça, tu devrais avoir mal, non? Oh frère! Il y a quelque chose là-bas? Non, il y a des gueules, gros. J'étais sûrement rien. Voilà, bien sage. Maintenant je suis en colère, il agit. Ok, LM. Moi aussi tu vas me mettre en colère, frère. On va se mettre derrière la voiture, elle a explosé celle-là déjà. Donc c'est pas si mauvaise chose hein, que de les amener tous ici. C'est pas une si mauvaise chose, comme ça au moins je... On va faire un truc. Alors j'ai jamais testé. On va essayer de se mettre un coup de G pour voir ce que ça nous fait. C'est ouf hein. Quand il y a plusieurs ennemis, c'est vraiment ouf je trouve. Putain, c'est un truc de dingue. Ok, donc je saurai l'effet que ça fait. Headshot, mon frère.
Non, 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 ça ne passe pas. Ça vaut rien à longue distance ce truc, hein. C'est pas le but. Hop, 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 hop. Ça me tape, ça me tape, ça me tape, ça me tape. Ça passe ou pas? Ah, c'est passé. Ok. Surprise, motherfucker. Plaque crânienne. Ça sert à quelque chose que la débrouille, ouais, peut-être. Joli. Fais gaffe de pas devenir dépendant de cette drogue. Ouais, pas bête. Mais je teste, hein, je teste l'efficacité de chaque de chacun des trucs. Et c'est vrai que c'est cool, hein, honnêtement, c'est vraiment cool. Un petit peu de 3 merde. Alors. Quatre. Oh, carrément. Blablabla. N. Donc peut-être le END. ER. Non. D'accord. Friend. Et voilà. Ok. Tel du mécanisme désactivé. Merci. Thank you. Alors par contre maintenant il faut que je trouve le coffre. Ah mais il est juste là. Ok. T'as une mine là-bas au fond quoi. Je la vois pas sur ma vie, je la vois pas. Elle est à côté de l'arbre, ok. Moi j'irai tout à l'heure, je sais qu'il y en a une là, il faut pas que j'y aille. Salut lapin, ça va ou quoi? Ben? Pingle à cheveux. Ah, faut que je me méfie quand même, je vais faire un petit coup de F5. Il se peut quand même que j'envoie là-bas. Alors je sais pas si la zone est clean. Oh le con, oh le con.
C'est pas fini. C'est pas fini l'équipe, c'est pas fini, il y a encore du monde. Il y a encore pas mal de monde, donc on va essayer de se concentrer et de pas faire de la merde. Si on essaie de prendre de la hauteur un peu. Trois quarts sont cachés dans les appartements, hein, donc je sais pas si c'est une aussi bonne idée que ça. C'est ça que je voulais faire chez moi en fait, une construction avec des barricades comme ça, quoi, des ponts pour passer de maison en maison sans passer par les rez-de-chaussée. Donc je pense que je vais essayer de faire ça, hein, concrètement. Je pense que ça va être, ça peut être bien. Ah, en plus, je peux mettre ça, ah, c'est cool. Ok. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert ça. Peut-être un piège ou une connerie du genre. Je sais pas si ça peut s'activer. Je ne l'ai pas fait. Putain, les humains en train de cuire. Fais chier. C'est dommage qu'on puisse pas s'allonger sur le jeu. Je sais pas si c'était possible avant ou pas. Ça va donner un côté encore plus immersif, je trouve. Surtout pour faire des frappes au snipe comme ça, là. Où il est? Alors j'ai vu un petit attention. Ok, super mutant. Ça y est, à quoi Fallout pire. Pire que ça, la famille. Une balle est mort, hein. Il le faut. Parce qu'il le faut. 20 PV, non, c'est pas. J'espère qu'on va pouvoir construire dans cette ville. Je vais pouvoir archiboser tout ce qu'il y a dans les environs. Je pense que ça serait vraiment très intéressant. Sachant tout le, toute la ferraille qu'il y a et tout là. Merde, je me suis manqué. Il est mort. Bon, il avait un lance-missile, le con. Plus encore un lance-missile. Sérieux? C'est quoi ça? Super masse. Oh oh. Ok, deux grenades, ça lui a fait son cul, hein. Aïe 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 aïe. Il a fait une il a fait un saut, mon gars. Ah, j'ai entendu quelque chose. Bouh! Bouh! Allez, ciao, coco. Pingue la cheveux. Salut, salut, The King. Tu vois, par exemple, là, on entend la radio. Ça rend fou, hein.
Ça marche même pas. Je peux même pas la couper. Par contre, j'arrive pas à trouver. Nerzy m'a dit qu'il y avait un truc ici dans le coin. Alors, vous inquiétez pas, lance-missile, tout ça, je vais le donner à. Ça sert à rien en fait, la radio elle continue là. Bruit de pas, effet sonore, musique, voix. Mais limite en fait. Alors deux petites secondes. Éventreur. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, limite en fait, beaucoup de gens me disaient que Fallout 4 allait être le jeu de l'année par rapport à The Witcher. Ben j'ai envie de leur dire oui presque, tu vois, je te jure. Parce que The Witcher c'est vraiment un excellent jeu, c'est un jeu que j'ai adoré. Hein. Mais l'addiction sur. Viens ici. L'addiction que j'ai sur Fallout et. Je sais pas, ça a rien à voir. C'est pas pareil. Et puis il y a plus de gens qui jouent à Fallout qu'à The Witcher, tu vois, même si le jeu je pense qu'il a fait vraiment sensation. Lance-missile 2, ça sert à rien. Super masse. Par contre, le poids il fait 20 quoi. Avant de ça, tu mets un coup par terre, gros. Il y a tout qui doit s'envoler. Alors, on va le passer au chien tranquillement. Le canon, du coup, ouais, on va lui passer aussi. Et l'éventreur, c'est quoi en fait? Dégâts 5. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Tir rapide, dégâts. J'ai l'impression que c'est un truc, un couteau que tu. Putain, on va la garder, on va voir ce que ça fait. Ça, il parle d'addiction, on l'a perdu. Mais concrètement, gros, je suis dedans. Hein. J'ai une addiction au jeu qui est juste folle. En fait, je vais pas vous mentir. Hein, si à l'heure d'aujourd'hui, en fait, j'avais pas ni une femme ni une fille, genre, je ferais des streams H24 sans dormir, frère. Tu vois, je te dis, limite à prendre de la drogue et tout pour rester réveillé. Ah non, c'est un truc de fou. Hein, je mens pas, je rigole pas. Genre, je suis vraiment devenu addict au jeu. Alors que, genre, il y a deux jours, je disais, c'est quoi ce jeu, quoi. Et honnêtement, ouais, l'addiction et même, genre, je sais pas, le jeu en lui-même et tout, je pense que c'est sûr et certain, il va avoir. C'est sûr et certain qu'il va être. Ça va être le jeu de l'année, j'en suis sûr. J'en suis sûr. De toute façon, ça va se jouer à très peu entre The Witcher et lui. Pour moi, hein, personnellement, pour moi, les deux plus gros jeux qui sont sortis cette année, c'est ces deux jeux. Après, Metal Gear Solid, c'est un très bon jeu, mais qui a été bâclé, je trouve. Donc, du coup, c'est. Le Molotov. Honnêtement, jouer à un jeu, genre par exemple, qui donne 50 missions, en fait, c'est juste 30 missions qui sont répétées deux fois. Tu vois, c'est un peu prendre les gens pour des cons, je trouve. En difficulté. Le verrou tient bon. Maître. Faut que je sois maître. Le pareil, il est dingue. Non, je suis pas dingue, je suis fan en fait. Et genre, je sais même pas si j'ai. En fait, ce qui fait que je suis fan, c'est de ce jeu en fait. C'est pas de la licence Fallout, c'est ce jeu. C'est le fait que tu puisses construire comme ça, que tu puisses. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce jeu en fait. Je sais même pas si je vais être fan du 3, du 2, etc. C'est vraiment ce délire qui me laisse bouche bée en fait. Casque à gris de mutant. Les anciens étaient meilleurs que ça. Ah ouais, tu penses? Mais déjà, si je kiffe à ce niveau-là, Adrien, alors. Alors, je pense que les anciens, je vais pleurer. Je vais pleurer. Je te dis quoi, frérot? Je vais pleurer, en fait, alors. Je peux pas l'équiper? Ça n'a pas tant de valeur que ça en plus. Il est devenu casu, ils ont levé le côté stratégique. D'accord. Moi pour l'instant, là, rien que de ce que j'ai vu déjà, je surkiffe. Après les gens qui kiffent la licence, qui trouvent que le jeu est devenu pourri, tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire les gars. En fait, je pense que c'est pas tant pis pour vous, c'est qu'ils ont envie de s'ouvrir en fait à d'autres personnes, style comme moi en fait. Des mecs, ils ont jamais joué à la licence et qui
Ils aimeraient attirer d'autres personnes, je pense, sur le jeu. Et augmenter leur communauté. Donc évidemment, en faisant ça, ben, c'est pareil pour The Witcher, hein, on en avait parlé. Hein. The Witcher 1 était vraiment très très bien, mais en termes de difficulté et tout, je trouvais très très chaud des fois par moment. Le 2, ça commençait assez, à descendre un petit peu. Et puis le 3, après, genre, c'est pas devenu casu, mais genre, c'est vrai que c'était plus grand public.